La fin de l'été, histoire de vous présenter un peu ce que j'ai fait pendant le courant du mois d'août. J'ai été bien active et je vais pouvoir vous présenter tout ça. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous, que vous avez profité. On a eu quelques beaux jours quand même, donc où qu'on soit en France, on a pu profiter du soleil. Ça, c'était cool. Là, vous me retrouvez nature peinture. J'ai un vieux t-shirt. J'étais même en version, j'ai les cheveux un peu comme ça peut. Je vous dis, allez, on s'en fiche. J'essaye de caler un petit podcast avant la reprise des cours. Demain, je fais ma rentrée. Alors, je n'oserais pas me plaindre parce que je sais qu'en tant qu'enseignante, j'ai des vacances de folie. Mais sachez que c'est dur quand même. C'est dur d'arriver à la fin des vacances. Et pourtant, j'adore quand j'y suis. J'adore retrouver mes élèves et tout. Mais juste avant, il y a ce petit côté un peu comme avant une épreuve sportive, j'imagine, une compétition ou quoi. On est un peu sur le stress et l'appréhension. Bon, mais donc, je sais que là, j'ai l'opportunité de tourner, qu'après, ce ne sera plus le cas pendant un petit bout de temps, que je ne vais pas vous présenter au mois d'octobre des trucs que j'ai cousus au mois d'août. Donc, je cale un petit podcast maintenant. Les vacances se sont bien passées. Normalement, si tout va bien, j'ai mis en début de vidéo quelques images de mon mois de juillet où on est parti dans les Pyrénées, du côté de Saint-Lary, avec compagnon et les deux enfants, et coquillette, le chien. Et puis, je vous mettrai en fin de vidéo quelques images de la Bretagne. Voilà, je vais dans ma famille chaque été, et donc je vous ai mis des vidéos. J'ai coupé le son. Alors pourtant, ça aurait été génial, hein, avec le bruit des vagues et tout. Mais moi, quand je fais une vidéo, sachez qu'autour de moi, il y a des enfants. Et qu'en général, ils sont bruyants. Donc tout le côté ASMR aurait disparu par le « Et la chlaque, et je te décapite !» Donc j'ai laissé tomber. Eh ben on est parti. Première partie couture, deuxième partie tricot. Et on y va. Alors, pour commencer la partie couture, d'abord deux projets que je vais pouvoir vous montrer. Il s'agit de deux cousettes pour mes petits garçons. J'ai fait des pyjamas Sacha de Ikati. Je vous mets ici une image de ce que ça donne, le patron, et j'en ai cousu deux versions, une version en 11 ans pour mon grand, une version en 6 ans pour mon petit, et je vous en parle l'un après l'autre, tranquille. Alors la version pour le grand, je l'ai faite en 11 ans, j'ai fait la version courte, donc un mini short, et le t-shirt pareil en manche courte. Les tissus que j'ai utilisés sont des tissus que j'avais achetés chez Mondial Tissus et ils sont de super qualité. C'est-à-dire que je les fais quasiment en même temps que ceux que j'ai achetés sur le site d'Ikati qui sont des belles qualités. Et je ne sais pas si vous allez voir celui d'Ikati. Ah, si vous le voyez un petit peu là, ça commence à pelucher un petit chouille. Et alors que celui de Mondial Tissus qui était vraiment beaucoup moins cher, eh ben, il est impeccable, tout neuf. Peut-être là... Vous voyez, un petit peu, ils les ont portés quasiment tout le temps l'été. Ils le mettaient, je l'avais, ils mettaient, je l'avais. Donc vraiment gros succès pour ça. Là, celui-ci, je vais vous le montrer porté. Donc, c'est un patron qui existe en deux versions. Une version manche longue avec des poignets resserrés et jambes longues avec cheville resserrée. Donc pour une version un peu plus chaude. Et une version, donc celle que je vous présente en premier, où vous remarquerez que le corps, il se fait en une seule pièce de tissu. C'est-à-dire, c'est un
premier, alors c'est pas vraiment un rectangle puisqu'on a les deux petits bouts comme ça de chaque côté. Même chose voilà pour l'arrière. Et là, bon bah voilà, les petits bouts qu'on va assembler ensemble, c'est quatre petits rectangles en réalité, bon, alors avec la forme un peu comme ça. Là, ça rebique, mais normalement, ça ne le fait pas. Et on passe un petit élastique à la taille, c'est vraiment hyper simple, hyper facile à faire. Pour les tailles, donc là, c'était du 11 ans. Par contre, on est d'accord que pour l'élastique, moi, j'ai pris sur mon fiston, j'ai fait, et j'ai fait pour que ça lui aille bien, parce que moi, j'ai deux haricots verts. Et que ça ne correspond jamais aux tailles du commerce. Et c'est pour ça que j'étais assez contente de faire des pyjamas, parce que typiquement, ben moi, mes enfants, je pense Ernest, si je dois l'habiller dans le commerce en pyjama, on est vite sur du 5 ans, 5-6 ans peut-être, 5 ans plutôt. Et déjà, moi, ça me fait bizarre d'acheter du 5 ans pour un petit garçon qui en a 6. Bon, quoique ça, c'est psychologique, à la limite, c'est pas grave. Mais surtout, bah, en réalité, il est petit, certes, mais il est surtout maigrichon. Donc en fait, au bout d'un moment, ça fait ou bien des tissus à la bonne longueur, des vêtements à la bonne longueur, mais beaucoup trop larges. D'où l'intérêt de faire soi-même. Et là, vraiment nickel, j'ai pu régler comme je voulais mes élastocs et j'en suis hyper contente. Donc ça, c'est la version estivale pour mon grand. Et mon petit qui a déjà pas mal de pyjamas été, et donc pour qui je voulais plutôt un pyjama qui fasse hiver, sauf que quand on passe ses vacances en Bretagne, on supporte bien des pyjamas longs la nuit. J'ai fait dans ce magnifique tissu de chez Ikati la version avec les manches longues, le petit pantalon trop mignon, tididi, et pareil, je vous mets les photos ici pour que vous voyez ce que ça donne. C'est des cousettes hyper faciles, hyper satisfaisante, hyper confortable. Moi, je suis ravie. Et je sais que maintenant, si je dois coudre pour mes enfants, ben, je pense que ce sera des pyjamas. Parce que je peux me lâcher un peu sur les tissus en prenant des trucs vraiment cracounets et mignons. Et ils vont pas trop râler parce que de toute façon, ça reste des pyjamas. Et c'est pas grave si je leur... Parce que mon fils aîné, je vais pas vous mentir, hein, 10 ans, quand il a essayé le pyjama, il faisait une tête. Il m'a dit, non mais, t'as vu ça? Et c'est vrai, hein, ça fait un peu vieux. Enfin, je lui dis, moi, je vais pas te coudre hein. Un pyjama bleu marine, enfin, comme je peux trouver dans le copain. C'est trop bête, quoi. L'idée, c'est de faire un truc un peu mignon, sympa. Et après, il l'a trouvé très chou, surtout que toute ma famille a dit « Ah, oh, t'es beau dans ton pyjama !» Donc, c'est passé nickel. Mais c'est vrai que là, il y a moyen de me faire un peu plaisir sur les tissus, sans m'entendre dire que bah, c'est nul, ça craint, c'est pas à la mode. Et en même temps, c'est hyper vite fait. Et ça donne des vêtements hyper mignons. Et comme on est comme une famille à traîner longtemps en pyjama les week-ends, etc., et ben en fait, c'est quand même un vrai bonus parce que je les ai beaucoup vus porter déjà ces petits pyjamas, rien que sur le temps de l'été. Donc j'en étais très contente. Je n'ai rencontré aucune difficulté, mais alors vraiment aucune. Moi, pour le petit biadant coulure qu'on met au niveau du col, pour le pyjama du grand, j'ai utilisé le même tissu que pour son petit bas de pyjama qui n'est pas du bord-côte. Et ça a très bien fonctionné. Vous voyez, franchement, c'est nickel. Pour le petit, j'avais acheté un bord-côte caramel que j'ai utilisé pour ça, les poignées de cheville. Poignées de cheville, ça se dit. Les poignées de manche. Et ici, le col. Moi, le col, je le couds ici et par contre, je le fixe à la main à l'intérieur parce que, alors, je suis une passionnée des magnifiques finitions, etc. Pas du tout. Si je le fais à l'aiguille à coudre, bah, en fait, à l'extérieur, si je le fais en visant sur l'extérieur, ce sera propre, mais à l'intérieur, il y aura plein d'endroits où ce ne sera pas fixé et où ça va partir. Et si je le fais en étant fixé sur l'intérieur, donc en vérifiant bien que le tissu est toujours bien pris, ben, des endroits où ça va partir en haut, des endroits où ça va partir en bas, et ça va faire cradouille. Donc en fait, ben, j'ai pas trouvé la solution. Comme je ne suis pas suffisamment rigoureuse dans ma pratique de la couture, ben, je suis obligée de faire ça à la main pour que ça fasse pas tout dégueu. Et je fais ça pareil pour les poignets et tout. Après, sur des tailles comme les pyjamas de mes enfants, je vous avouerai que ça me choque vraiment pas parce que comme ils sont tout petits, vous m'avez vu là, en train de repeindre. Oui, je suis en train de replier mes petits pyjamas. Il y a des podcasteuses hyper cool qui vous balancent ça comme ça. Ben moi non, c'est replié, c'est posé. Et ouais, donc
Je disais que si j'étais quelqu'un de plus méticuleux, certainement je pourrais trouver des solutions, mais que comme j'ai déjà. Enfin, en fait, j'ai déjà fait plusieurs fois, puis je me retrouvais à découdre pour recommencer et puis finir à faire à la main. Donc, bah, maintenant, je fais ça et c'est des petites circonférences, donc ça ne me dérange pas. Voilà sur les pyjamas Sacha de Hikati que je vous recommande. Enfin, comme tous les patrons Hikati, moi, c'est la marque chouchoute pour les vêtements enfants et je trouve que, à juste titre, c'est vraiment chouette. Je prends une gorgée. Et je vous le dis tout de suite, c'est juste de l'eau, il n'y a rien dedans. Mais j'ai hyper soif, il fait chaud encore. Donc voilà. Les deuxièmes cousettes que je vais vous montrer, je ne peux absolument pas vous montrer les vêtements parce que je les ai cousues pour ma soeur et elle est repartie avec. Donc je vais vous mettre des images sur le côté. Il s'agit de deux robes comètes de Lise Taylor que j'ai cousues et que j'ai cousues pour ma soeur en taille 42. Qui lui tombe impeccable les deux pour l'une. Alors, comment je vais faire pour vous expliquer? Donc, j'ai vraiment suivi le patron de Lise Taylor très exactement. Je n'ai eu aucune modification à faire. Il tombe parfaitement. Il est très flatteur sur toutes les silhouettes. Je sais que pour la combi Jani, je dois remonter un petit peu ici le bord. Du décolleté, parce que sur moi c'était trop plongeant et pour ma soeur je n'ai absolument pas eu à le faire. J'avais vérifié d'abord auprès d'elle par rapport au nombre de centimètres et tout, et ça tombe nickel. Et il est extrêmement joli et élégant ce décolleté sans être trop plongeant. Sur la version rose, on a mis la petite élastique, donc ça lui permet d'avoir un effet cintré qui est très sympa. Et sur la version verte, alors les deux tissus, c'était des tissus de Lise Taylor, là j'ai pas les noms en tête. De toute façon, comme toujours, dans la barre de description, je vous mets en général le nom des tissus que j'ai utilisés. C'était la collection été de Lise Taylor. Il lui en reste probablement encore un peu. La collection automne n'est pas encore sortie, mais ça ne va pas durer longtemps. Après, tous les tissus de Lise Taylor, saison après saison, sont magnifiques. Donc voilà, si ce n'est pas ceci, ce sera d'autres. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et pour la version verte qu'on a faite, et bien là, je n'ai pas élastiqué parce que c'était sympa qu'elle puisse le porter en version ceinturée en mettant une petite ceinture très fine. Ça fait très joli. Et je trouve que ça lui permet aussi de le porter sans rien en version grande robe fluide. Et c'est hyper confortable aussi ce type de robe pour aller à la plage, pour aller se promener, de ne pas être forcément élastiqué à la taille, vous voyez ce que je veux dire? Même si les robes de Lise Taylor sont très confortables, hein. Enfin, la robe Comet elle est très confortable même avec un élastique, mais je trouve que parfois une robe fluide en été c'est quand même un vrai bonus. Donc voilà, on a fait ce choix-là. J'ai rallongé par contre la longueur de la jupe parce qu'elle voulait des jupes qui lui arrivent en dessous du genou et même un petit peu. Enfin voilà, pas mi-mollet, mais voilà, vraiment en haut du mollet. Et le résultat est super canon. Ma sœur était toute belle. Elle a un mariage cet été. Et donc, elle hésite entre les trois tenues que je lui ai cousues, la combi bleu marine que je remets ici, que je vous avais montré la dernière fois, et les deux robes. Alors, dites-moi, vous, ce que vous auriez mis à sa place entre la robe verte, la robe rose et la combi bleu marine. Moi, je lui ai dit, à sa place, je mettrais la combi bleu marine que je trouve plus chic, plus habillée, plus apprêtée, plus mariage. Et par exemple, la robe verte, je la mettrais carrément pour faire sa reprise du boulot le jour de la rentrée. Elle est instite en professeur des écoles dans une école primaire en banlieue parisienne. Et elle a des élèves qui adorent regarder comment est habillée la maîtresse. Donc je trouve que. Elle aurait été belle comme ça, mais de garder la version un peu satinée bleue pour le mariage. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur les robes comètes parce que je crois que j'en ai parlé plusieurs fois. Ah oui, pour la version verte, petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait une fente qui arrive jusqu'en bas. Vous avez dû le voir quand vous avez vu la photo. Et ça, c'était très facile à faire comme modification. C'est-à-dire que quand vous découpez la jupe comète, vous la découpez au pli. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, hein, mais moi, j'ai décalé de 3 cm sur le côté pour avoir le temps de faire un rebord et de superposer les pans de tissu. Et vraiment, au moment où vous avez, voyez, votre demi devant droit, vous mettez le pan de tissu droit
devant et vous faites vos replis de façon à ce que ça fasse exactement la même dimension. Et puis la même chose pour le côté gauche. Et après, vous marquez au fer et là, vous cousez sur le côté et du coup, il n'y a aucun problème, quoi. J'ai pas fait de... enfin, de... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou. Vous savez ce machin qu'on met à l'intérieur du vêtement Et je sais que vous le savez et que vous êtes tous en train de me crier ce que c'est. Oh, le machin qu'on met en dessous. On peut ou doubler le vêtement ou mettre ça. Et je ne le trouverai pas là, je sens que je ne le trouverai pas. Bon, bah en tout cas, j'ai pas fait ça. Et c'est pas grave, avec juste le double retour, ça va très très bien. Voilà pour ces petites robes Comet. Dernière cousette, il s'agit d'une petite jupe que je me suis cousue pour moi. Dans une très jolie viscose que j'ai achetée chez Mondial Tissu, qui fait partie de, je pense, leur collection été. Ils ont des jolis tissus chez Mondial Tissu, je trouve. Cette viscose n'était pas très chère, elle était à 12 euros du mètre, ce que je trouve quand même super raisonnable pour un vêtement, enfin pour faire des vêtements. Je m'étais emballée, j'avais pris beaucoup de quantité de tissu. Au final, il m'en reste. Donc, je vais peut-être me faire un petit top là-dedans aussi, ce que je trouverais, ma foi, fort sympathique. Mais là, j'avoue qu'avec la rentrée, ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris la jupe, le bas de jupe Comet de ma sœur, en me fichant complètement que ce ne soit pas exactement à ma taille. Je l'ai posée sur le tissu plié en deux. Je l'ai rallongée pour que moi aussi, vous allez voir hein, sur les vidéos, que pourquoi je fais ces petits gestes-là, c'est pour qu'au montage, parce que vous doutez bien qu'au montage, j'ai aucune envie de revoir ma bobine pendant une demi-heure à m'écouter raconter des trucs. Donc, je fais avance rapide et quand je me vois faire des gestes, clac, je mets la photo dont je vous parle. Donc là, j'ai juste rallongé tant que je pouvais pour qu'elle m'arrive mi-mollet. Et voilà. Et ensuite, j'ai rajouté un rebord en haut que j'ai plié vers l'intérieur, que j'ai cousu. Et j'ai mis un petit élastique à ma taille. Et that's it. C'est une sorte de jupe élastiquée, mais beaucoup moins froncée qu'on peut trouver. Ça donne un côté grande jupe fluide. Ah, c'est hyper agréable. C'est hyper facile à porter. Elle se froisse pas. Elle est su. Alors, j'ai un t-shirt vert. Bah, je crois que c'est celui que je portais le jour de la vidéo. Ça va nickel avec. Mais enfin, le blanc, ça va nickel aussi. Du bleu marine, ça irait nickel. Enfin, elle est facile à sortir. Hein. Et elle est hyper jolie. Donc, j'en suis vraiment contente. Et ça a été plié en une heure et demie de couture, c'était fini. Donc voilà, j'ai eu la cousette heureuse pendant l'été et j'ai fait plein de projets chouettes. Je me rappelle que quand j'étais venue vous voir la dernière fois, je vous disais que j'avais pas trop de mojo couture. Et ça m'est bien revenu en août et c'est cool. Donc j'ai pu faire plein de choses qui me plaisent et puis surtout, au final, assez peu de choses pour moi et c'est très bien puisque moi, ma garde-robe, elle n'avait pas besoin de grand-chose. Donc c'est nickel. Je vais vous parler du tricot et là, ça va être une autre ambiance parce que je suis pas contente de mes tricots d'été. Alors, première chose, je vous avais dit que je m'étais lancée dans un châle lemon de Anna Johanna. Je vous remets le patron ici. Le patron est magnifique. Les explications d'Anna Johanna sont hyper simples, ultra claires et tout. C'est un châle qui se tricote en alternant des bandes de point mousse et des bandes de dentelle en jersey. Pour obtenir à la fin un grand châle de mille-une. Moi, c'était la première fois que je faisais un châle comme ça, donc ça m'a permis d'apprendre la technique pour faire un châle. Mon problème, alors très rapidement, pendant l'été, en fait, j'ai jamais tricoté dans des moments où je me pose seule face à un petit podcast ou en écoutant un bouquin. Il y a plein de moments où je suis interrompue, où il y a des gens, où je tricote avec du monde autour de moi. Et en plus, je n'avais pas moyen d'imprimer le patron. Alors, j'aurais pu trouver des solutions certainement, mais en tout cas, je n'ai pas cherché à trouver les solutions. Et ce qui fait que bah, j'étais à regarder sur mon téléphone portable les plans de dentelle et tout ça, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, là, t'arrêtes, tu te fais juste ton tricot du début jusqu'à la fin en point mousse. Et de toute façon, ce n'est pas grave parce que j'avais commencé à faire le point dentelle et ça ne rendait pas super bien sur la partie dentelle. Comme elle était, alors je vais vous montrer.
Donc il y a des moments où il y a les bandes en orange et puis il y a les moments où il y avait donc ce côté là qui était la Alpaca Socks teinte à la main de chez Lang. Et en fait, c'est voilà, ici c'était tellement chamarré que ça se voyait pas. Donc je l'ai fait au final en alternant des grandes bandes, enfin des grands moments où j'avais que cette laine-là. Des grands moments où j'avais que le coloris orange, qui est le coloris le temps des mandarines de Laine Amourée. Et puis des moments où je faisais alors tantôt un rang sur deux, tantôt deux rangs, enfin voilà, des moments où j'alternais. Et donc bah, le projet il est super réussi, je vais vous montrer. Donc un châle, bah, c'est un bon châle, hein, il est grand, on peut s'envelopper dedans, tout ça, tout ça. En écharpe parce que c'est plutôt comme ça que je le porterai, et ben ça donne ça. Voilà, très bien. Donc, aucun problème. Moi je ne suis pas convaincue par les couleurs. Et alors c'est juste mon choix de couleur qui laisse à désirer. Je ne suis pas convaincue par voilà, c'est pas mes couleurs. C'était hyper sympa de tricoter ces couleurs-là en été et j'étais hyper contente. Maintenant, bah en fait, je me rends compte que c'est un truc que je porterai assez peu. Alors, je me dis peut-être si en hiver, en mode écharpe comme ça, je sais pas. Là, je me regarde dans le retour et je me dis, ouais, c'est joli quand même, mais je suis pas convaincue quand même. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Déjà, ça m'a permis d'apprendre à tricoter des châles et ça, c'est cool. Il y a cette espèce de long zigouigoui là. Pourquoi ça fait un espèce de machin comme ça là à la fin? Je sais pas. Bon, les laines sont hyper douces. Alors là, par contre, c'est doudou à souhait. Elles sont hyper colorées et jolies et chatoyantes, donc il n'y a vraiment aucun problème. Moi, de base, je ne suis pas fan de ces coloris qui ont l'air comme ça, je sais pas, de changer très vite. Enfin, c'est pas mon truc. Et je ne sais pas, parce que j'ai acheté cette pelote en connaissance de cause, hein. Regardez le nombre incroyable de couleurs, mais c'est en fait, pour les gens qui aiment ça, c'est magnifique. C'est vraiment... Alors moi, et en fait, je trouve ça très beau. Voilà, je trouve ça très beau. Je ne me vois pas du tout le porter. Voilà, c'est ça. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Exactement. Alors, bon, bah, voilà, Et vraiment, là, je le regarde et je me dis, mais il est hyper beau. Je vais réfléchir à quelqu'un à qui ça pourrait bien aller pour le lui proposer, peut-être. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir, je vais réfléchir. Voilà, ça c'était mon premier projet. Donc, un projet abouti, réussi techniquement, mais que je ne porterai pas forcément. Et puis, le deuxième projet, c'est le projet de la loose. Là, c'est mes chaussettes en jacquard. Alors, j'ai bien vu vos conseils. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, qui sont aussi en train de se casser les dents sur du jacquard, les retours que j'ai eus, c'était... que mon problème c'était la tension et qu'il fallait que peut-être j'essaye de retourner la chaussette pour tricoter sur l'envers et faire en sorte que ma tension soit meilleure. Alors, je trouvais que c'était une super idée, j'ai essayé de le faire et là moi les gars, il y a tout qui s'est... Je n'arrivais pas à tricoter le projet sur l'envers. Alors j'ai des petits soucis de psychomotricité, de rapport à l'espace et tout, et d'un coup de tricoter sur l'envers, je comprenais plus ce que je faisais quoi. Mais ouais, ça marchait pas. Alors j'ai vite arrêté et je me suis dit, bon, alors je vais le tricoter sur l'endroit et je vais le tricoter en sacrifiant. Au lieu de faire des petits moutons, je vais faire des petits nuages. Des petits nuages et comme ça, bah, c'est chouette, ça va permettre d'avoir un ciel avec des nuages. Je vais faire du jaune en haut. Et puis comme je vous avais dit, je voulais pas le faire en entier. Donc après, j'ai mis des rayures et tout. Mais là, j'ai un autre problème. Donc là, pour le coup, ma tension, je pense qu'elle est assez bonne parce qu'il n'est pas bloqué, là, le projet. Et vous voyez que, alors oui, au blocage, ça va se lisser, ce sera tout propre. Et puis voilà, j'ai gardé le côté un peu texturé, des petits nuages. Bon, voilà, c'est bon.
Mais mon problème, c'est que donc là, j'ai continué à faire comme la dernière fois. Je suis partie sur 64 mailles. Ensuite, j'ai augmenté la taille d'aiguille en mettant des aiguilles beaucoup plus grosses. Je ne sais plus combien c'était, mais je crois que je suis passée en... Alors ça, c'est en 2,75 de mémoire. Et puis, et en fait, ça donne des chaussettes, mais beaucoup trop grosses. Pour ma jambe, c'est-à-dire que alors je peux pas vous montrer sur mon pied, mais j'ai l'impression de tricoter des chaussettes genre pour le ski. Vous voyez les chaussettes de ski? Bah je peux y mettre mon bras dedans. Non mais regardez, ça pourrait faire une manche. Ça va pas du tout. Donc quand je suis repassée ici, j'ai fait des diminutions, mais là je vous promets que quand je mets ma jambe dedans, bah, ça flotte complètement. Je trouve que bon, les couleurs, c'est mignon. Enfin, on dirait peut-être plus des chaussettes tricotées par une petite fille. C'est pas foufou. Enfin, je suis vraiment pas convaincue. Je suis pas convaincue. Là, je suis censée faire le bout de la chaussette et tranquillement diminuer pour arriver à la pointe. Et j'ai même pas envie de le finir. J'ai pas envie de le finir parce que je me rends compte, regardez ce qui me reste en bleu. Si je veux faire la deuxième chaussette, il faut que je rachète une pelote. J'ai plus envie d'acheter de la laine. Pour ce projet, enfin, je le trouve pas joli. Même en chaussettes d'intérieur, je le trouve. Enfin, ça. C'est hyper grossier, quoi, comme truc. C'est pas du tout beau. Là, j'ai vu. Y a plein. Alors, comme c'est les chaussettes de Charlottetown, tout le monde poste en ce moment des chaussettes faites sur les modèles. Ils sont tous fins, délicats. Il y a. J'ai vu, c'était Aurélie, la souris. Qui a publié sur Insta une photo où on voit qu'elle a commencé à tricoter ce modèle, hein, compter les moutons. Elle a une petite laine hyper jolie, ses moutons sont tout délicats, enfin, c'est canon. Et moi, je suis là avec mon espèce de grosse chaussette de ski dans des coloris qui font hyper criard, toute gondolée. Bon, bah, en fait, j'ai pas envie de la finir et je suis dépitée. Et un truc que j'ai découvert aussi, c'est que moi, ce que j'aime bien dans les tricots de chaussettes, c'est le côté tricot en rond, rapide et zéro cerveau, qui fait que, en fait, les chaussettes que je m'étais tricotées ou celles que j'ai tricotées à ma sœur et qu'elle a portées, mais tout l'été, elle mettait ses chaussettes dans ses claquettes, elle était ultra élégante, je vous raconte pas. Et ben, en fait, vraiment. C'était super cool, il y avait les couleurs qui changeaient tout le temps. C'était du tricot en rond et genre, je mets les pattes à cuir, j'attrape, pouf, 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 je fais quelques rangs. Je me mettais à faire des cahiers de vacances avec les enfants, clou, 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 que tricot en rond, tranquille. Zéro cerveau, pas besoin de regarder un patron, pas de hyper fastoche à faire. Là, en tricotant ça avec le jacquard, je me suis mise à avoir mal un peu à l'épaule. Et moi qui n'ai jamais eu de souci de la tendinite de la tricoteuse, j'ai pensé à certaines d'entre vous dans les vidéos, bah, vous parler de problèmes, voilà. Et j'ai clairement pas envie de m'attraper une tendinite de la tricoteuse parce que je fais des chaussettes, quoi. Donc je me suis dit, puis alors, là par contre, si vous savez quoi me dire, moi clairement, je peux pas tricoter en 64 mailles et en plus en faisant des augmentations et tout ça. Enfin, c'est beaucoup trop large. Mais en même temps, avec cette histoire de tension, bah, donc, bah, les chaussettes jacquard, pour le moment, sont rangées au placard. Et je pense que je vais me racheter du fil à chaussettes. Peut-être de l'autorayant ou peut-être avec des petits... Et je vais me faire une autre paire de chaussettes pour traîner à la maison parce que celles que j'ai tricotées dans les laines de mouton, hyper mignonnes, je les ai portées tout le temps. Mais c'est des soquettes. Elles arrivent juste au-dessus de la cheville. Donc, nickel pour l'hiver, l'été... Là, par exemple, je me mets en pyjama le soir, je mets pas de chaussons, je mets juste mes petites chaussettes en laine et je traîne dans la maison comme ça. C'est hyper mignon, elles sont trop belles. Et j'adore. Mais par contre, bah, il me faudrait une version un peu cosy pareil pour l'hiver. Et donc, je vais regarder ce que je vais faire. Peut-être, voilà, je vais m'acheter quelque chose pour me tricoter ça pour cet hiver. Et ce sera sympa. Mais je pense quand même les faire en 56 mailles et pas en 64. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc, bah, des tricots un petit peu bof bof. Heureusement, dans les projets à venir, normalement, je devrais réceptionner très prochainement la commande que j'avais passée chez Cadrilaine pour faire mon fameux 13 KO. Et
Je continue le pull que j'avais laissé ici pour mon copain, pour mon amoureux. Je lui ai monté les mailles de la manche. Je suis en train de discuter. Vous allez vous dire, t'as fait 3 cm. Oui, J'ai fait 3 cm, mesdames. Et c'est beaucoup. J'en suis très fière. Donc en ce moment, le soir, quand les enfants sont couchés, on se pose sur le canapé. Je nous mets des petits épisodes de Gilmore Girls. Il est ravi. Et devant Gilmore Girls, je tricote les manches pour mon chouchou. Voilà! Et c'est trop bien. Donc ça, je suis contente. Et puis, bah, je pense, honnêtement, je m'interdis de faire quoi que ce soit de nouveau tant que j'ai pas tricoté une manche. Donc là, j'ai tricoté une journée, j'ai fait 3 cm. Il va falloir quoi? Une petite quinzaine de jours. Et j'aurais fait une manche, même pas. Une dizaine. Il va y avoir la rentrée, hein, je vais être quand même un petit peu occupée. Une dizaine de jours et je vais avoir fait la manche. Et voilà. Et quand la manche sera faite, et ben voilà. J'aurais adoré. Là, j'ai vu que Laine de Mout avait sorti des combos pour pouvoir faire les tricots de l'aiguille aventurière sur Jaco la lanterne. Et j'aurais adoré faire ça pour, enfin, pour mes enfants en mode de chaussettes d'Halloween. Mais je me suis tellement fâchée avec le jacquard que bah, j'ose pas. Je sais même pas, je m'étais dit que je ferais le patron d'Halloween dans les chaussettes pop de Charlotte Stone. Mais franchement, je sais pas si je vais oser faire. Remarquez, je peux acheter des laines. Ouais, il y a un magasin qui en vend, des pas très chers dans Pau. Et puis, mais franchement, j'étais tellement écœurée, j'ai pas trop envie en fait. Je dois avouer, ça m'a un peu passé le goût du jacquard. Bon, on verra. Je vous tiendrai au courant et puis je vous dirai tout ça. Voilà pour la partie tricot qui était un petit peu courte parce qu'elle n'a pas été folichonne cet été. Et je passe à la partie lecture. Non, alors avant la partie lecture, j'ai autre chose à dire. Mince. Du coup, ceux qui sont déjà partis, tant pis, ils l'auront pas. Je voulais vous dire que j'ai vu que Cocon Vert. Qui s'appelle Marine. Marine du vlog, enfin des vidéos YouTube Cocon Vert, a sorti des patrons de Pointe-Croix. Très jolis. Attendez, que je ne me dise pas de bêtises. Attendez, je vous mets la photo ici de son projet qui m'intéresse. Et ça s'appelle, je l'ai noté quelque part, Seasons of Home. My God, mon accent est magnifique. Et donc ça, j'ai décidé d'essayer de m'y mettre en me disant que ça faisait longtemps que le Pointe-Croix me faisait envie. Elle donne les références après pour s'acheter le matériel. Et ce que j'adore, c'est que vous allez voir, en fait, ça fonctionne. Donc il y a un abécédaire classique. Et en fait, ça fonctionne autour de la roue du temps, avec toutes les périodes de l'année. Alors, elle a organisé ça autour des grandes fêtes païennes qui structurent le calendrier. Donc, il y a la fête oh là là, je suis pas très forte en fêtes païennes. Là, je crois que bientôt, ça va être la fête. Attendez que je me trompe pas entre solstice et équinoxe, d'équinoxe d'automne. Après, bah, donc, il y a la fête d'Halloween. Mais qui s'appelle pas comme ça dans le calendrier païen, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. Il va y avoir la fête du solstice d'hiver, le solstice d'été, l'équinoxe de printemps. Bon, voilà, les grandes fêtes qui marquent, en fait, qui marquent les saisons. Et moi, j'aime beaucoup cette idée parce que je suis vraiment très sensible au changement des saisons, à toutes ces choses-là, et je sais que j'ai envie d'être bien ancrée dans les. Voilà, là, moi, je me réjouis de voir les premières feuilles qui commencent. Alors j'adore l'automne, mais j'adore aussi d'autres saisons en fait. C'est pas le fait que j'attends toute l'année l'automne, c'est que je crois qu'un petit peu, mais c'est aussi vraiment le plaisir de sentir qu'on bascule vers une autre saison. Et j'aime bien l'idée d'avoir un projet que je pourrais faire au très 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 long terme, puisque comme en fait tout est organisé avec des tout petits coins qui correspondent à chaque moment. Bah, sur septembre, enfin, de mi-septembre à mi-octobre, je peux
faire la partie qui correspond à cette période de l'année, donc l'arrivée de l'automne. Après, il va y avoir ce qui va correspondre à la période Halloween, etc., avec des citrouilles et tout. Puis on va doucement remonter vers la période des festivités de Noël. Mais enfin, voilà, et ça permet d'avoir comme ça tout. Moi, je n'osais pas sauter le pas du point de croix parce que j'avais l'impression que c'était ultra compliqué. Et j'ai vu une copine cet été, Aurélie, qui m'a dit, mais le point de croix, c'est pas du tout compliqué, il faut juste savoir compter. Alors, je ne sais pas très bien compter. Mais je me suis dit, somme toute, je comprends le concept, c'est vrai, il faut compter pour savoir où on commence à faire les petites croix et tout. Et ça peut très bien se faire. Ce qu'il y a, c'est que ce que me disait ma copine, c'est que c'est vrai que moi j'aime bien dans les projets broderie, le moment où on fait différents points de broderie, et là, bon, bah, c'est toujours le même fonctionnement. Mais comme en fait, on change beaucoup de couleurs et que bah, c'est vraiment des trucs. Moi, je brode pas beaucoup. Je brode, j'aime bien broder le dimanche matin, après avoir bu mon thé. Voilà, c'est le moment où je. Donc, en fait, le fait de faire quelques points de croix le dimanche et que ça me permette assez vite de faire un tout petit coin et que ça soit terminé et que après je passe un autre petit coin. Et c'est. Vous voyez, c'est. Voilà, c'est tranquille et je me dis ça peut être vraiment pas mal. Donc, voilà, ça me faisait super envie. Et je pense que je vais me l'acheter une fois que la rentrée sera passée et que j'aurai le temps de me concentrer vraiment dessus. Maintenant, je vous parle des coup de cœur lecture et des coups de cœur podcast. Et ce sera fini pour cette fois-ci, 35 minutes. Pouah, je défonce, je suis ultra efficace. Dans les lectures, je viens. Voilà, j'ai lu deux lectures tip-top que je vous recommande. Première lecture, Une soupe à la grenade de Marsha Mehran, qui est une autrice d'origine iranienne qui a très vite quitté l'Iran en tant qu'enfant avec sa famille puisqu'elle a fui la révolution iranienne. Et vu comme ça, on dirait, vous savez, ces petits romans comme Un été à la petite boulangerie ou des choses comme ça, alors que j'aime beaucoup aussi. Mais là, en fait, non, c'est pas tout à fait ça. Ça a été édité chez Pitié Poche qui font beaucoup d'ouvrages du monde, en fait. Qui sont assez, notamment des ouvrages asiatiques, japonais et tout. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et la petite couverture mignonnette correspond à un des versants du roman, puisqu'il y a tout le côté mignon de l'histoire qui est racontée, mais il y a aussi une dimension historique et tout qui est pas mal. Donc, je vais vous en parler de manière plus claire, parce que là, je suis hyper fouillie. Ouh, loulou, on sent que je sors de vacances et que ça fait bien longtemps que je n'ai pas présenté de livre à mes élèves. Donc, on reprend, résumé. Il s'agit de trois sœurs qui ont dû fuir l'Iran, un peu comme l'autrice elle-même, et qui, après être passées en Grande-Bretagne, à Londres de mémoire, vont atterrir en Irlande où elles décident d'ouvrir un petit restaurant qui ne s'appelle pas une soupe à la grenade, mais qui s'appelle quelque chose autour de Babylone, les délices de Babylone ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est écrit quelque part? Non, tant pis. Et elles ouvrent ce restaurant, ce trois sœurs avec trois personnalités différentes, des histoires différentes, toutes ont été marquées par la révolution iranienne. Et on mélange, donc c'est le récit se passe au moment de l'ouverture de ce petit restaurant dans ce petit village d'Irlande, mais il y a des moments où on retourne dans leur passé. Et tout est structuré autour de recettes. Il va y avoir alors, la recette de la soupe à la grenade, il va y avoir la soupe de lentilles rouges. Il va y avoir une infusion pour lutter contre la migraine. Il va y avoir le torchis, que je prononce certainement très mal et je m'en excuse. Le pain lavage. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et donc les recettes sont hyper chouettes. Pardon, vous ne voyez rien. Les recettes sont très chouettes. Et franchement, c'est très agréable à lire. C'est très plaisant. On apprend des choses sur la révolution en Iran. On apprend des choses aussi sur. Alors ça se passe dans les années 80. Hein. En Irlande, sur voilà le quotidien dans ce petit village irlandais. C'est vraiment un bon moment de lecture. C'est très frais, c'est très doux. C'est pas une lecture nunuche. Et pour autant, c'est vraiment un moment paisible et agréable, alors qu'il peut être question de sujets très durs. Donc vraiment, je le recommande. Et moi, il y a des recettes que j'ai envie de tester. Faut d'ailleurs que je les recopie dans mon cahier de recettes parce que je voulais le mettre dans la boîte à lire du travail pour que des collègues puissent l'emprunter. Donc, il faut que je me dépêche de faire ça. Ensuite,
Je lis Les Sept Maris d'Evelyne Hugo. Je me demande si ce n'est pas Cécile du podcast Que font mes mains qui en avait parlé. Je suis certaine de l'avoir entendu aussi, enfin, de l'avoir vu passer sur les podcasts de Margot Liseuse. C'est très sympa, une star des années 50 qui maintenant doit avoir 80-90 ans. Alors, des années 50, elle a commencé dans les années 50, mais elle a continué dans les années 60-70, et son dernier film c'était dans les années 80. Et elle reçoit une journaliste à qui elle l'offre l'opportunité, le privilège de faire le récit de sa vie pour qu'elle puisse publier la biographie de cette actrice ultra connue, un petit peu imaginée Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor, au moment de son décès. Et en fait, donc il y a le récit de cette femme incroyable qui a un parcours d'actrice dingue, structuré autour de ses sept mariages. Elle a eu sept maris et donc ses sept tranches de vie. Et en même temps, bah, évidemment, il y a la journaliste. Est-ce que en fait, ce récit de vie va avoir comme conséquence sur elle, sa personnalité, sa façon de fonctionner et tout ça? Donc c'est très sympa, c'est très chouette. L'actrice, c'est pas du tout. A des côtés très sombres qu'elle met en avant. Ça montre aussi l'industrie du cinéma hollywoodien et c'est sans concession. Donc c'est intéressant à ce niveau-là aussi. C'est vraiment un super roman de plage, un super roman d'été, un vrai turnover, un patch turner, bon, un truc où on tourne les pages très vite. Et c'est vraiment top. Et apparemment, je vous le dis en lisant ça, c'est en cours d'adaptation par Netflix. Bonne nouvelle! Donc voilà. Et je ne peux que vous le recommander chaudement. Je suis en train d'audio lire le premier tome des Sept Sœurs qui m'a été recommandé. Personne ne me l'a recommandé directement, mais dont j'ai entendu parler pareil sur le podcast de Cécile, Que font mes mains. Jolie Laurier en parlait aussi, qu'elle a achevé de me convaincre. Moi, je suis pas si emballée que ça. C'est agréable à écouter. Il y a tout un aspect un peu découvrir l'histoire d'un pays, un aspect culturel aussi qui peut être chouette. Par contre, j'avoue que j'ai trouvé les personnages vraiment caricaturaux et que ça, voilà, il me reste un petit cinquième à écouter et j'ai un peu la flemme d'écouter. J'ai l'impression que je sais comment ça va se finir. Enfin, vous voyez, c'est un peu cousu de fil blanc. C'est pas. Voilà. Alors, je suis pas complètement emballée. Voilà. J'irai peut-être au bout quand même et je vous dirai. Mais je suis pas complètement fan. Voilà. C'était pour les lectures. Et alors, pour les podcasts que j'ai découvert, parce que ceux que je connais déjà, je vous en parle régulièrement, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a Gentilleuse Aiguille, parce que c'est au pluriel, qui a commencé à faire des podcasts qui sont très chouettes. Elle est hyper agréable à regarder. Elle est toute jeune, toute fraîche, toute souriante. Je vous mets la vidéo, enfin, une photo ici de son compte. Et elle fait des podcasts très réguliers, elle en sort souvent. Et avec plein de choses intéressantes dedans, donc parfois c'est tricot, parfois c'est cousette, mais aussi là, elle en a sorti un sur sa capsule d'inspiration d'automne que moi j'ai beaucoup aimé, où notamment elle donnait des petits conseils pour retrouver sa colorimétrie sans passer par un spécialiste forcément. Enfin voilà, c'était chouette, elle est très agréable à écouter, donc je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Sinon, alors vous allez rigoler parce que j'arrive 10 ans après tout le monde. Mais moi, j'ai découvert cet été les podcasts de L'eau demoiselle. Voilà, je pense que tout le monde connaît L'eau demoiselle. Moi, je ne connaissais pas. Donc, si vous êtes comme moi, je vous invite à la découvrir parce qu'elle est très chouette à écouter et elle fait des super vidéos. Pareil, elle est pleine de peps, elle est souriante. Et là, elle a fait un vlog qui est rigolo, où on la voit un petit peu dans ses pérégrinations tricotesques et vacancières. Et puis voilà. Et sinon, quelque chose que j'ai découvert qui est tout nouveau, c'est Poetry of Slow Life. Là, je vous mets ici. C'est une podcasteuse qui est britannique. Alors, je ne sais pas, enfin, où elle vit exactement, mais je suppose en Grande-Bretagne. Elle fait des podcasts magnifiques.
Alors là, pour le coup, des vidéos avec une ambiance, une couleur et tout ça qui sont. Voilà, enfin, moi j'en ai vu un qui se passait, c'était Autumn in Scotland ou un truc comme ça, qu'elle a tourné à l'automne dernier, en octobre dernier. Voilà. Posez-vous, regardez, prenez-en plein les mirettes parce que c'est magnifique. Et donc j'ai regardé ça avec grand plaisir. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et voilà, et donc c'est très chouette. Elle parle beaucoup, elle parle en anglais. Moi, je ne prétendrai pas comprendre tout ce qu'elle raconte, mais en fait, ça m'est un petit peu égal. J'aime la poésie de la langue anglaise, donc ça me fait plaisir de l'écouter. J'ai l'impression que ce qu'elle dit, c'est beaucoup autour de s'ancrer dans le temps présent, profiter de l'instant présent, des choses comme ça. Je suis pas sûre que ça me passionnerait d'entendre tout ce qu'elle dit. Enfin, vous voyez, j'apprécie en fait ce côté un petit peu la douceur de la langue anglaise et ça ne me manque pas de comprendre exactement tout ce qu'elle dit. Peut-être qu'il y a une vraie profondeur philosophique, hein, je ne suis pas en mesure de juger, mais bon voilà. En tout cas, les images sont sublimes, il y a souvent un petit accompagnement musical. Elle parle, vous savez, avec cette voix hyper douce et tout. À un moment, je crois, dans un des derniers que j'ai vu, elle fait un gâteau. Et ça m'a fait rigoler parce qu'elle aussi, avant de faire le gâteau, elle met des trucs dans des petites coupes de porcelaine et tout. Mais elle sort quand même un batteur électrique à un moment, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, oh, quand même, on n'est pas au 14e siècle. Et voilà. Mais je me disais, en fait, ça doit appartenir à une catégorie, vous savez, de type de podcast où, en fait, quand on montre une recette, il faut que ce soit joli. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit, c'était trop chouette de revenir et de vous retrouver. Je vous laisse jusqu'à tout bientôt où je reviendrai pour d'autres projets. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous mets quelques images des vagues en Bretagne. Portez-vous bien! Thank you.